Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je viens de faire mon petit essai avec mon nouveau vernis qui n'a pas été très très concluant. J'ai pas eu énormément de cellules comme j'ai d'habitude. Je vais refaire d'autres essais plus tard. Je ne filmerai pas. Je pense que ce ne sera pas nécessaire. Du coup, quand je suis allé acheter mon vernis, j'en ai profité pour acheter de la peinture blanche pour les murs. Mais du coup, il n'y avait pas celle que j'utilise d'habitude. Donc là, j'ai une nouvelle peinture pour les murs que j'aimerais essayer. Donc ma peinture blanche pour les murs, que je viens juste de mettre dans la bouteille, elle est pleine de bulles, c'est une catastrophe. Pas grave, on va essayer de faire avec. Du coup, nouvelle peinture pour les murs. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes anciennes peintures avec mon ancien vernis pour voir. J'ai pris 4 ou 5 couleurs, j'ai pas pris grand-chose juste pour essayer. Donc là, j'ai du bleu de Prusse. J'espère que la peinture va aller. Le problème, c'est que ça va marcher, je pense. Je vais avoir mes cellules, tout ça. Le problème, c'est le séchage avec la peinture pour les murs. Si la peinture, elle est trop épaisse ou pas adaptée, elle craque assez facilement. Je vais être obligé d'attendre 2 ou 3 jours pour être sûr que ce soit sec. Donc là, j'ai mis du vert citron. Là, j'ai du cyan primaire. J'ai pris du bleu et du vert pour rester classique et simple. Du vert de phtalocyanine. Donc mon médium, moitié vernis polyuréthane, moitié vernis acrylique comme d'habitude. 4 parts de médium pour une part de peinture. Je vous remets tout dans la description. Et là, j'ai du bleu vert iridescent pour finir. Donc oui, je mets tout dans la description. Vous avez juste, oh là là, à cliquer sur le titre de la vidéo pour voir la description. Une quantité phénoménale de bulles. C'est pas grave. Ma toile fait 20 par 20 cm. J'ai pas précisé au début. Et il me reste plus qu'à mettre mon activateur de cellules blanc, 2 parts de Floetrol, 1 part de blanc de titane, comme toujours. Quand je souffle avec mon appareil, j'utilise toujours du 2-1. Et quand je souffle à la bouche, ce que j'ai pas beaucoup fait en vidéo, je crois que j'en ai fait qu'une, j'utilise du 3 parts de Floetrol pour une part de peinture pour qu'il soit un peu plus fluide. J'ai mis trop de blanc. Enfin, d'activateur de cellules blanc. Pardon. Pour l'instant, tout va bien. Contrairement à ma précédente vidéo. Avec mon nouveau vernis. C'est pas. Les toiles sont pas moches hein, que j'ai fait avec l'autre vernis. Le seul problème, c'est que j'ai vraiment pas énormément de cellules. C'est pas génial, génial. Faut que je continue à expérimenter. Ça m'arrangerait que j'arrive à faire fonctionner le nouveau vernis parce qu'il est nettement moins cher que celui que j'utilise d'habitude. Donc ce serait pas mal.
de trouver un produit un peu plus économique. Je vais repasser un petit dernier. Parfait. Parfait, parfait. Il n'y aura plus qu'à attendre le séchage pour être sûr. Nettoyer sous les bords pour enlever les gouttes comme d'habitude. Compléter s'il y a besoin. J'ai des endroits. Là, j'ai mon coin qui n'est pas couvert. Je vais remettre un peu de peinture. Voilà. Parfait. Je vais vous mettre sur pause, comme d'habitude. Le temps de sortir la toile et de vous la montrer de plus près. À tout de suite. Donc, me revoilà. La vidéo est bien courte. 7 minutes. Ah là là. J'ai pas de couleur métallisée, j'ai pas allumé le flash. Encore une fois, j'aimerais dire à ceux qui débutent et qui regardent mes vidéos de ne pas faire cette technique pour commencer. J'ai déjà dit dans quelques vidéos, c'est vraiment une technique compliquée. Même si quand je fais mes vidéos, c'est court, c'est rapide, on n'a pas l'impression, mais c'est vraiment, vraiment compliqué. J'ai fait énormément de toiles ratées avant d'y arriver. Et encore maintenant, ça m'arrive d'avoir des petits soucis, c'est vraiment pas facile. Excusez-moi. Enfin voilà, comme d'habitude, vous pouvez me laisser un petit pouce levé si vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, je vous en serai très reconnaissant. Et je vous dis à tous à très bientôt et merci. Me revoilà, j'allais faire la photo pour mettre sur la présentation de ma vidéo et je viens de voir qu'en fait j'avais mis du métallisé. J'ai mis du bleu vert iridescent dedans. Du coup, il y a un peu de métallisé. Je vous remettrai ce petit clip juste à la fin de la vidéo. Je les collerai ensemble, pas de souci, mais à vouloir aller trop vite, on oublie. C'est super joli en plus. C'est dommage d'avoir oublié. C'est pas grave. Voilà. Hop. Un petit peu au milieu. Parfait. Donc encore une fois, merci à tous et à bientôt.